Alright tout le monde, je suis Justin, on se retrouve sur le site de The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Donc là, précédemment, on s'est laissé ici. Pourquoi ici j'ai hésité? Le dernier épisode, je suis retombé en bas. Ben, je suis retourné en bas parce qu'il y avait plusieurs personnes que quand ils retournaient en bas, on pouvait déjà faire la deuxième partie pour aller chercher déjà la carte. Mais là, on va être obligé de revenir, de recommencer ce que j'ai fait, là, qui m'a fait vraiment chier le dernier épisode, de le refaire en double, puis après ça, de recontinuer. Fait que ça me fait chier un peu, mais ça a l'air que c'est de même que ça va se faire, man. Je comprends pas pourquoi qu'ils te font faire deux fois la même crise d'affaires, là, tu sais, je veux dire, faites juste le jeu moins long puis arrêtez de nous faire faire deux fois la même affaire, honnêtement, là. C'est chiant un peu, mais bon. Bon, voilà, fait que là, on va aller à notre île. Non, ta gueule. Alright, c'est bien là, faut là qu'on aille. Allons-y. On va aller à l'île des Gorons. Ah, si j'aime de tout spoil. Moi, honnêtement, moi tout, je me spoil parce que j'ai jamais joué à ce jeu-là. C'est juste que je suis en train de... Je check pareil où aller pis tout parce que ça me tente pas de passer qu'à genre 2 heures à chercher des affaires honnêtement là. Pas sur cette Zelda là genre. Oh, vite. Ah fuck. J'ai trouvé mon curseur, j'ai cliqué sur exprès. Bon, tant pis. Cherchais mon curseur, tabarnak. Ouais c'est ça, Phantom Hourglass pis Spirit Track, je l'ai fait pas mal à l'aveuglette. Mais c'est pas un genre de jeu genre Phantom Hourglass, je l'aime pas assez pour le faire par moi-même honnêtement là. T'sais, j'ai beaucoup de Zelda que je veux faire, t'sais, il me reste Wind Waker à faire, Twilight Princess. Celui-là je vais aller faire tout seul parce que je m'en souviens quand même déjà un peu. Wind Waker un peu moins. Ah fuck, les petits pirates à la merde. Ouais mais... Ben là, je tire dessus depuis tantôt là. Ah, c'est-tu que c'est mangement, man. Tiens, j'y tirais dessus depuis tantôt, il coule pas, c'ti. Les trois sont encore après moi, là. Ah, ben oui, j'ai vu, je suis mort, là, des buzz. Désolé, man. Je trouve ça poche, man. Je trouve ça poche, je suis crevé pour ça. Check out. Hey, mes esti. On va faire un détour, pas plus grave que ça. Ouais, ta gueule, là. Bon. Qu'est-ce que c'est? Un cyclone? Oh, les machines sont coincées, on peut pas avancer. Jeff, regarde! Bon, un autre boss qu'on va se battre en bateau, avec des canons.
Ouais, tu sais, tu. Ah, t'as le décalisse! Merde! J'ai essayé de tirer le petit œil qui manquait, puis j'étais pas capable. Non! Tabarnak! Je tire dessus, cette petite calice! Es-tu sérieux, man? Je clique dessus, man! Gros Spirit Tracks, là, c'ti, là. Spirit Tracks, on devait donner ça. Quand tu cliquais sur quelque chose, là, ton canon il tirait dessus, man. Celle-là, non. Celle-là, non. T'es-tu sérieux? Je dois tout recommencer, là? Je dois tout recommencer mon hostie de trajet de marde! Chris, t'as pu me faire un checkpoint, hostie de bande de trou de cul? Oh. Désolé. Y'a moi qui est mauvais, là. À l'air. Gros, ça allait fucking bien. Il restait un œil, man. Il restait juste un œil. Puis là, je tire dessus les ennemis. Ils sont supposés me donner des cœurs. Ils me donnaient juste des hosties de rupies de BS. Tu sais que je déteste Phantom Hourglass, man. On dirait que ce jeu-là, il est... On dirait que ce jeu-là me fait chier, man. À date, là, on dirait que tout arrive pour me faire chier. Depuis le dernier épisode, on dirait que tout arrive pour me faire chier, genre. Si j'aime pas les contrôles, j'aime pas ça, man. J'aime pas ça jouer avec un nasty stylet pis un nasty souris, man, pour émuler ça, pis... Ah. J'ai tellement hâte de faire Wind Waker et Twilight Princess, man. Désolé, man, je suis en train de bâcher sur le jeu. Je suis un esti de fan de Zelda, man, mais lui, là, je suis pas fan. Je l'aime pas, man. Ben oui, on l'a vu tantôt, man, ta gueule. Il se restait un œil tantôt, t'as pu me faire un checkpoint sur le boss, là, sacrément, là. Ben non, on recommence ton trajet, c'est super le fun de refaire ton trajet. On l'a vu, man, skip! On l'a vu! Attends, check bien ça, man. Sorry si je fais ça, là. C'est juste parce que ça me tente pas de recrever et de me refaire le... Emulator. Hop! Save. Et voilà, man. Allez chier. Je vais recommencer ici la prochaine fois. J'ai pas ma crise de souris. Dessus! Putain! C'est sûr et tout que le jeu est émulé, hein? Émulé, ça bug plus. Hey, il fait juste me donner des rupies, ces estimes mange-marde, là. M'aurait donné un cœur tantôt, j'aurais survécu. Parce que ça, t'es obligé de le manger, ce dégât-là. Gros, joue à rien, tabarnak! M'en reste un. Bon! Trou de cul! Ah! Un petit jouet, là. Il
Moi, ces Zelda-là sur le DS, là, la façon que je vois ça, en fait, là, jouer ça plus comme des genres de petits crises de mini-jeux. Hey, on joue sur une DS, on va tout crisser là, les contrôles sur le stylet puis l'écran juste pour dire que c'est utile, le DS. T'sais. Moi, je suis sûr, je trouve que c'est ça qui gâche les jeux puis les gameplays, man. C'est pour ça que ça me fait chier qu'ils font ça avec des Zelda, man. C'est une grosse partie, une grosse raison pourquoi j'ai jamais joué aux Zelda sur Game Boy. Je savais que c'était des assises de contrôle de merde, comme ça, ça me fait chier. Bon, là c'est l'acier, on va trouver l'acier. Ouais, là je vais commencer à noter les gorons que je jouais, mais avant ça on va aller... on va aller voir le Big Boss. Le Big Boss. Le Big Boss, on le trouve. On le trouve. Ici. Appelle-moi si t'as besoin d'aide. Tu peux traverser l'étranger, attends. Yes sir, merci. Hey gros, je viens de commencer l'épisode pis je suis juste chialé, man. Je suis désolé, mais ça fait partie de moi. Ici. Tiens, ça glitch, man. Ah, j'ai pas de cœur pantoute, esti. Ah, faudrait que m'acheter une potion et tout, la potion mauve que j'ai gaspillée la dernière fois, là. À cause que je me fais agresser par tout le monde, là. Yo. C'est gros Goron, doyen boss de l'île. Tu désires donc notre acier étranger. C'est un important symbole, Goron. Je ne dirai pas plus à un étranger. Si tu veux savoir plus, je dois d'abord... d'abord devenir membre... membre Goron de la tribu, fais-toi connaître par tous les Gorons de cette île et reviens me voir. Alright, fait qu'on doit parler à tout le monde, fait qu'on parle à lui. Alright, bon ok, là on va prendre beaucoup de notes. Honnêtement, ça va être quand même un petit peu nul à chier comme épisode là. Carte. Alright. C'est une maison avec un gros Goron. Puis un petit Goron. Alright. On a un gros là, on va y parler. Ici, il y a un gros Goron. C'est pas obligé, man, ces cartes. Ici, il y a un gros Goron. Hop. Un autre gros Goron. Une maison avec un gros Goron. Maison, petit Goron. Petit Goron. Parle-y, Asti. Ouais. Merci. Yeah.
M'attarde. Et je vais même pas chercher, je m'en fous. Alright, thanks. Ok. On va aller par ici. Une autre maison. Avec un gros gars. Pas d'autre. C'est un gros garon. Maison, gros garon. Petit garant. Oh, regarde ce beau bateau! Il check le bateau, il trip. Ok, là on a parlé à tout le monde. Good, fait qu'on peut s'en aller. Ah, je peux passer par ici. Attends, il y avait un magasin là. Le magasin, il comptait même pas. Et je vais aller là, au magasin. J'ai quand même hâte de faire Twilight Princess puis Wind Waker, man. C'est des bons Zelda. C'est quoi ça déjà? Voilà, tu récupères tous tes cœurs. Ok, annulé. La potion violette redonne 8 cœurs automatiques en cas de besoin. On va l'acheter. C'est pas pire ça quand tu crèves, elle t'en redonne tout de suite. Ouais, on l'a récupéré. Cool. Bye, annulé. Ouais, ouais, salut. Oh, failli tomber en bas. Ok, là je vais prendre mon téléphone parce qu'après ça, je dois calculer le nombre de rupies que je vais gagner durant mon quiz. Parce qu'on a un quiz à faire, c'est pour ça qu'on a pris des notes sur la map. Première question. Le gars en cet endroit, qu'est-ce qu'il regarde? Un bateau. On a eu... Ok, un rupie. Bien joué. Question suivante. Combien de gorons vivent sur cette île? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Cinq rupies. Question suivante. Combien de maisons y a-t-il sur cette île? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6. 20. Incroyable, ça a déjà répondu à moitié, je m'en calisse. Bon. Cette question incluse, je t'en ai posé combien? 4. Ben oui, Chris, t'en as... Ah, que... Il y a 6 questions, c'est-tu d'épais? Pas trop compliqué, c'est malin, ben oui. Mais il reste 2 questions. Question suivante. Combien de rubis as-tu gagné dans ce jeu? 46. Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit? Non, t'es-tu sérieux? D'où je m'en souviens plus. Une roche? Non! Pas ça! Roche? Tabarnak, c'est quoi ça, man? Je savais pas qu'il y avait une situation BS dans même, c'est quoi qu'il y a à cet endroit-là? Ta gueule! Calisse que c'est pauvre! Allez voir c'est quoi qu'il y a là. Ah, t'es sérieux? Gros, t'as pu me poser une autre question, genre combien d'enfants qu'il y avait pis combien d'adultes qu'il y avait, man? Non, non, il a fallu que ce soit la seule que je savais pas, tu sais. La seule que je savais pas. Ah, il y a un fucking coffre. Je l'avais pas vu, man. Au début, j'étais genre, il y a peut-être une rush, man, mais je m'en suis calissé, tu sais. Oh, les tabarnak. Ah, c'est que c'est fatigant, ça. Oh, oh les... J'ai dû y penser, le Christ de coffre. Saute. Moi, j'ai répondu une roche parce que je me souvenais pas d'avoir vu un coffre ni un arbre. J'étais comme, bah, pour moi, il y a une roche à quelque part, je l'ai juste pas vu, là, tu sais. Ah, ouais, on recommence. Ben oui, ben oui. Première question, ah ouais, le gars à cet endroit, il regarde quoi? Un bateau aussi. Ben oui. Merci. Question suivante. Combien de maisons y a-t-il? Il y en a 6. Ouais, merci. Quatorze. Merci. Le coquelard était la créature sur la falaise, jaune. Les ennemis qu'on a pétés tantôt. Combien de gars sont à l'extérieur en ce moment? Bon, enfin! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Il a pu me dire ça tantôt, là, à place, là. Un coffre, c'est sans dessin. Oui. Ah bon, merci. Une petite trop de cul. On la paye qu'une seule fois. Bien sûr, 146, non. C'est maintenant un fier Goron. Jeff Goro! Tu dois payer la taxe. Ta gueule, crise de gouvernement en salle. Je refuse. À moins que tu me payes à 7 heures. Jamais. Non. Alors, je devrais me servir. Oui, oui, comme le gouvernement fait d'habitude. Le gouvernement, il sert tout le temps. On lui dit non, mon argent. Ils vont aller te la chercher quand même. Ça, c'est du vol. Va chier, système. Alright. Attends, nous devons lui parler au sujet de l'acier.
Un petit crise de... Ok, merci de me l'avoir dit, man. Je l'avais oublié, celle-là. J'avais juste hâte d'y aller. J'ai juste hâte d'aller me rendre dans mon temple. Comment un enfant a fait disparaître, ouais. Il est-tu là? Non, il est même pas là. Bon, ben, je dois le chercher. Il doit être en haut quelque part. Il doit se cacher quelque part. Petit crise de trou de cul. Oh, yo, le petit trou de cul. C'est que j'aime pas les enfants. T'es où, petit Chris? Tape-moi si tu peux, Fougaron. Hey, c'est raciste, ça, man. Ta gueule. Sans dessin. Je dois être le seul, esti, qui rend les jeux Zelda pour un auditoire mature, en fait, à cause de mes esti de jokes. Pis une moi qui a pas de chialer, pis mon langage vulgaire. Les jeux Zelda, c'est censé pas être pour enfants, si le gars est... Où est-ce que... Ah ouais, c'est ça, mon petit chemin, là. Petit imbécile. Alright. Oui, c'est bon. Ouais, ben oui, il y a un cul-de-sac, ben oui. Chris, il y a des cracks, là, tu viens, c'est-tu. Il va me sauver des bombes. M'en fous, ça va plus vite. Bon, lequel qui va bouger? Ah, c'est vrai, j'ai plus de cœur, moi, man. Faut que je fasse attention. M'a le tuer de bord. Donne-moi un cœur, dude. Bien sûr que non. Bon, pas de cœur. J'aurais peut-être pas le choix de me pogner une potion, man. Ok, t'étais mieux, hein? Non, on s'en fout, on est arrivé, il va y avoir des cœurs dans l'entrée du temple comme qu'il y en a tout le temps. Ah non, pas lui. Petit trou de cul. Lui, là, va me voler mon bouclier, le tabarnak. Yeah! On est rendu au temple, enfin! Un petit shortcut. Hop. Yeah. Merci. Et voilà. Alright, man. Temple Goron. Aucune trace. De l'acier, whatever. Prendre ça ici. Merci pour les bombes. On va essayer de se faire un refill de bombes. Mais là, il repousse pas. Ouais. Alright, bon, hey, nous autres, on s'est cessé là-dessus, man. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'ai chiolé en tabarnak, mais tu sais, j'aime bien ça chioler, hein. Faut pas prendre ça au premier degré. Mais ouais, man, j'espère que vous avez apprécié. Nous autres, on se retrouve pour la suite. On va faire le temple Goron. Restez à l'écoute, à la prochaine. Ciao.